Je vous propose de passer au premier point qui est l'approbation du PV de la séance du 17-11-2022. Donc, est-ce qu'il y avait des remarques ? Non ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté. Il vous est fait état des... Alors, je vous fais pas forcément la lecture, comme d'habitude, des délégations qui sont faites au maire, puisque vous en avez la lecture. Donc là, notamment, c'était la convention de prêt d'un véhicule utilitaire à titre gracieux au profit du lycée Édouard Herriot. Donc là, c'est un compte rendu. Ensuite, on avait sur le point numéro 3, donc animation de la vie locale, subvention exceptionnelle aux associations, le trèfle bleu, monsieur Henquin. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, J'ai zappé peut-être un petit point, je suis désolé. Hein. Il fallait me faire un petit signe, hein. J'ai été vite. Donc, il faut procéder à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Et comme très souvent nous proposons à madame Bardet cette fonction, est-ce qu'il y avait des votes contre ? Des abstentions ? Eh bien, Alice, je t'invite à me rejoindre. Désolé pour ce petit oubli. Ah. On a perdu Madame Iglesias. Elle arrive. Je crois qu'elle a écarté son téléphone. D'accord. C'est Madame Mousse qui arrive sans. Ok, bon, on va les attendre quelques instants. Bon, je te laisse quand même attaquer la présentation, donc le point numéro 3. Mes chers collègues, le Conseil municipal, par sa délibération numéro 3 de la séance du 7 avril 2022, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 1er novembre 2022. L'association de Bridge Le Trèfle Bleu a déposé en date du 25 octobre une demande de subvention exceptionnelle de 1 606 € pour l'achat de 10 boîtiers BridgeMates, système automatisé de calcul des scores de tournoi compatible avec les logiciels de la Fédération française de bridge, en remplacement de la comptabilisation manuelle plus sujette à erreur humaine. Pour accompagner le club de bridge dans son développement et rayonnement, il est proposé d'octroyer 800 € d'aide financière à l'association Le Trèfle Bleu. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 800 € à l'association Le Trèfle Bleu, de dire de cette aide est octroyée pour l'achat de 10 boîtiers BridgeMates, d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport ? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Une. Adopté à la majorité. Point numéro 4, animation de la vie locale. Subvention exceptionnelle aux associations Les Vitrines de Sainte-Savine, Madame Chaudet. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le Conseil municipal, par sa délibération numéro 3 de la séance du 7 avril 2022, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 1er novembre 2022. L'association des vitrines de Sainte-Savine a déposé en date du 20 octobre une demande de subvention exceptionnelle de 7 572,24 € pour l'achat de sapins lumineux LED à destination de l'ensemble des commerçants de la ville adhérents et non adhérents, afin d'embellir les devantures et de créer une harmonie lors des fêtes de fin d'année. Cette demande correspond à près de 50% du coût global de l'acquisition. Pour accompagner l'association des vitrines de Sainte-Savine dans cette action de valorisation du commerce savinien, il est proposé d'octroyer la somme de 7 500 € d'aide financière à l'association. Cette demande ne pourra pas être renouvelée avant 6 ans, soit en 2028. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution de cette subvention exceptionnelle, de 7 500 € à l'association Les Vitrines de Sainte-Savine.
dire que cette aide est octroyée pour l'achat des sapins lumineux destinés au commerce de la ville. Autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci Martine. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport ? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport numéro 5, utilisation de la salle de musculation de la Nulutel, Monsieur Henquin. Mes chers collègues, le COSEC de la Nulutel dispose d'une salle de musculation mise à disposition de l'association Cercle Athlétique Savinien pour l'organisation de ses activités. L'association a équipé la salle avec des appareils dont elle a fait l'acquisition. Dans le cadre de ses séances de PS, le lycée Édouard Herriot, utilisateur prioritaire du COSEC, utilise quotidiennement ses appareils. Afin de fixer un cadre à l'utilisation du matériel mis à disposition par l'association Cercle Athlétique Savinien au sein d'un équipement municipal, une convention tripartite a été rédigée. Elle précise notamment les engagements de l'association, du lycée Édouard Herriot et de la ville. Cette convention prendra effet à compter de l'année scolaire 2022-2023 et sera reconduite tacitement chaque année scolaire. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la convention d'utilisation du matériel de la salle de musculation du COSEC de la Nulutel, de dire que cette convention prendra effet à compter de l'année scolaire 2022-2023, d'autoriser Monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Des remarques sur ce rapport ? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 6, convention de prestation de services entre Sainte-Savine et la rivière de Corps, à propos du balayage public, Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Pardon. Mes chers collègues, la ville de la rivière de Corps a sollicité celle de Sainte-Savine afin que des passages avec la balayeuse soient effectués sur sa voirie communale. La ville de Sainte-Savine propose la réalisation de cette prestation au profit de la rivière de Corps en mettant à disposition sa balayeuse et un chauffeur. Il convient d'adopter la convention à intervenir. La présente convention a donc pour objet de régir les conditions suivantes. La mise à disposition par la commune de Sainte-Savine au profit du demandeur d'un chauffeur avec balayeuse selon une fréquence de 3 fois par an pour 35 km de voirie et pour un montant de 932,51 €. Lors des tournées, le chauffeur sera accompagné d'un agent de la ville de la rivière de Corps qui assurera le soufflage des salissures du trottoir vers la balayeuse. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention jointe à la présente, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer la convention jointe en annexe. Merci. Des remarques sur ce rapport ? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 7, donc tarification des services communs comme conseiller en énergie partagée avec un avenant à la convention, Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, pour aider les communes du territoire communautaire à maîtriser leurs dépenses énergétiques, le conseil communautaire a mis en place un service commun conseil en énergie partagée, CEP, proposé par Trois Champagnes Métropole. Ce service a pour mission d'établir des diagnostics énergétiques avec préconisation. Après le constat d'optimisation potentielle et la détermination de priorités, il convient de procéder à la recherche systématique des sources d'économie aboutissant à un programme de travaux présenté par domaine d'intervention, de comparer et de prioriser. Face à des patrimoines parfois vieillissants et de plus en plus énergivores, il devient rapidement nécessaire de réaliser un certain nombre de comparaisons permettant de déterminer les secteurs d'intervention prioritaires, de gérer comptablement l'énergie à l'aide de bilans et tableaux de bord, de présenter à la commune les modalités de financement existantes pour mettre en application les préconisations nécessitant un investissement, certificat d'économie d'énergie, recherche de partenaires financiers, etc. D'observer les résultats obtenus à la suite des interventions effectuées. C'est pour le gestionnaire une étape essentielle permettant de vérifier si les objectifs annoncés ont été atteints. La convention actuelle définit les modalités selon lesquelles la commune va bénéficier du service et fixe une cotisation annuelle de 0,63 € par habitant. Elle prendra fin le 31 décembre 2023. À compter du 1er janvier 2023, une cotisation de 0,90 € par habitant sera demandée à la commune, la population prise en compte et la population municipale INSEE de l'année facturée. Les tarifs applicables seront susceptibles d'être modifiés par décision tarifaire. En cas de refus par la commune d'appliquer le nouveau tarif, la présente convention sera résiliée de plein droit.
La ville de Sainte-Savine désigne pour référent énergie le chargé du développement durable et de la transition écologique et en complément le technicien en charge de la gestion technique des installations de chauffage. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adhérer au service de conseil en énergie partagé auprès de Trois-Champagne Métropole, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer la convention d'adhésion au service en énergie partagée, ainsi que tout document utile. Merci. Des remarques sur ce rapport. Donc là, l'avenant de la convention, c'est surtout pour la réactualisation du tarif. Des remarques ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 8, repos dominical avec les dérogations 2023. Madame Chaudet. Merci. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, en prévision de la prochaine année calendaire, il convient de définir les ouvertures dominicales pour 2023. Des commerces implantés sur la communauté d'agglomération, les conditions d'ouverture dominicale sont encadrées par la loi du 6 août 2015 relative à la croissance d'activité et l'égalité des chances économiques. Outre certaines activités commerciales spécifiques qui disposaient déjà du droit de travailler le dimanche, sur cette loi a élargi le champ d'application. Toutes les communes peuvent accorder jusqu'à 12 dimanches dans l'année, dès lors que son établissement public de coopérative intercommunale, EPCI, se prononce favorable en ce sens. Par courrier du 14-9-2022, la directrice du centre commercial Carrefour L'Escapade sollicite une dérogation au repos dominical pour les jours suivants, le dimanche 15 janvier 2023, le dimanche 22, le dimanche 2 juillet, le dimanche 3 septembre, le dimanche 26 novembre, les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2023. Par mail, en date du 26-10-2022, la directrice du supermarché Bien sollicite une dérogation au repos dominical pour les jours suivants, dimanche 15 janvier, le dimanche 2 juillet, le dimanche 28 mai, le dimanche 18 juin et le dimanche 9 avril. Par mail, le 27 septembre 2022, la directrice de Carrefour Contact sollicite une dérogation au repos dominical pour les jours suivants, dimanche 3 septembre 2023, les dimanches 24 et 31 décembre 2023. Par courrier du 19 septembre 2022, le directeur de Lidl sollicite une dérogation au repos dominical pour les jours suivants, les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2023. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de solliciter l'avis de Trois-Champagne Métropole afin que le conseil communautaire délibère sur ce calendrier des ouvertures dominicales, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre un arrêté fixant le calendrier des ouvertures dominicales sur la commune pour l'ensemble de l'année 2023. Merci. Des remarques sur ce rapport ? Oui. Oui, merci Monsieur le maire. À titre personnel, je m'abstiendrai sur ce rapport alors qu'Anne-Marie votera pour. Ah, pardon. Oui, Monsieur Croquet. Et moi, je vais faire pareil, simplement parce que je considère que Carrefour n'a pas à vocation à ouvrir le dimanche. Donc, on va passer donc là au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Donc, deux abstentions. Adopté. Je vous remercie. Rapport numéro 9, tarification des services communs avec la fourrière intercommunale, donc un avenant à la convention, Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. La commune de Sainte-Savine a fait le choix d'adhérer par convention au service commun de gestion des chiens et des chats errants, géré par Trois-Champagne Métropole, entré en vigueur le 1er février 2019. Pour équilibrer financièrement chaque service commun par les contributions et participations des communes membres et les usagers bénéficiaires de chaque service, Trois-Champagne Métropole va modifier les tarifs relatifs au service de la fourrière intercommunale au 1er janvier 2023 comme suit. Donc fourrière intercommunale, la part fixe 0,83 € par habitant,
part variable, 318 euros par chat capturé, et le forfait de prise en charge facturé au propriétaire à 50 euros TTC. Il convient de signer un avenant à la convention initiale, modifiant les conditions financières. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'accepter la nouvelle tarification de la fourrière intercommunale, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention relative à la fourrière intercommunale et tous documents utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport ? Non ? Moi, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport numéro 10, convention de servitude d'ancrage de dispositifs de vidéoprotection sur la façade d'un immeuble privé, Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance confie au maire le rôle de pilote de la politique en matière de prévention de la délinquance sur sa commune. La ville de Sainte-Savine a engagé différentes actions pour renforcer ses actions de tranquillité publique, notamment par le déploiement de systèmes de vidéoprotection sur la commune. Sa mise en œuvre implique parfois l'ancrage de dispositifs techniques adaptés sur des façades d'immeubles privés. Ainsi, la ville de Sainte-Savine souhaite la mise en place d'un dispositif de vidéoprotection sur la bande de terre située entre les places de parking et l'immeuble 6 au 2-4 rue Claude Foulon à Sainte-Savine, géré par l'agence Yves Damonte, ce que ces derniers ont accepté. La présente convention a pour objet de mettre à disposition de la ville de Sainte-Savine cette emprise en vue de l'installation de son équipement de vidéoprotection. La mise à disposition est consentie à titre gratuit. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention jointe à la présente, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer la convention jointe en annexe. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport ? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Donc rapport suivant, rapport numéro 11, formation obligatoire au maniement des armes avec une convention avec le stand de tir de Saint-Germain. Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Les agents de police municipale sont titulaires d'une autorisation de port d'armes. En application des dispositions du Code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale portant une arme de défense ont l'obligation de réaliser au minimum 2 séances par an d'entraînement au maniement. Pour remplir ces obligations, la commune de Sainte-Savine souhaite conventionner avec l'armurerie de Champagne, 6 chemin du Pont de l'Arche à Saint-Germain, qui gère le stand de tir pour mise à disposition des locaux afin que les agents de police municipale réalisent leurs obligations d'entraînement au tir. Cette mise à disposition se fera avec contrepartie financière de 60 euros par séance et par agent. Le tarif d'occupation du stand est fixé à 0,25 euros par cartouche tirée pour la commune de Sainte-Savine. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention jointe à la présente, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer la convention jointe en annexe. Merci. Des remarques sur le rapport ? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Rapport suivant, rapport numéro 12. Donc, dans le cadre du budget principal, l'apurement du compte 1069, Madame Gultequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, les collectivités territoriales doivent mettre en place l'instruction budgétaire et comptable du référentiel M57 au plus tard le 1er janvier 2024. Il s'agit d'un référentiel budgétaire et comptable destiné aux collectivités qui a pour objectif d'unifier la comptabilité publique. L'objectif est d'harmoniser le cadre réglementaire qui se caractérise actuellement par une multiplicité des instructions budgétaires et comptables applicables selon les catégories de collectivités locales. Le passage au référentiel M57 nécessite des prérequis et notamment l'apurement du compte 1069. Le compte 1069 est un compte non budgétaire qui a pu être exceptionnellement mouvementé lors de la mise en place de la M14 pour neutraliser l'incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et produits à l'exercice. Pour la ville de Sainte-Savine, le compte 1069 est débiteur de 66 673,08 €. Il convient de procéder à cet apurement par une opération semi-budgétaire, émission d'un mandat d'ordre mixte au débit du compte 1068, excédent de fonctionnement comptabilisé, capitalisé, par le crédit du compte 1069 pour un montant de 66 673,08 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'apurer le compte 1069 sur l'exercice 2022 par une opération semi-budgétaire, émission d'un mandat d'ordre mixte au débit du compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé par le crédit
du compte 1069 pour un montant de 66 673,08 €, de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022. Merci. Des remarques sur ce rapport ? Non ? Bah, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Rapport suivant, rapport numéro 13, budget principal, disposition applicable avant le vote du budget prévu du BP 2023. Madame Gultequin. Merci Monsieur le Maire. Mes chers collègues, lorsque le budget d'une commune n'est pas adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. En outre, l'exécutif peut, sur l'autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart, 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, avant le vote du budget 2023. Il est donc proposé de pouvoir engager les crédits tels qu'indiqués, soit un montant maximum des dépenses susceptibles d'être engagées avant le vote du budget primitif 2023 d'1 504 052 €, correspondant à 25% des crédits 2022. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser avant le vote du budget primitif 2023 et au titre de l'exercice 2023 l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement dans la limite des crédits hors remboursement de la dette figurant en tableau 6 juin. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce point ? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 14, actualisation du tableau des emplois. Monsieur Bernier. Merci Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il appartient au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services ou à l'évolution statutaire des agents municipaux. Il convient de toiletter le tableau des emplois. Sont concernés la création d'un emploi d'assistant finance, la modification d'un emploi de magasinier, la modification d'un emploi d'agent de restauration, la modification d'un emploi de responsable de police municipale, la modification d'un emploi d'adjoint aux ressources de police municipale, d'adjoint aux responsables de police municipale, la création d'un agent de police municipale, la modification d'un emploi de responsable de la médiathèque, la création d'un emploi d'adjoint aux responsables des ressources humaines et la création d'un emploi d'assistant ressources humaines, gestion du temps. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de modifier le tableau des emplois tenant compte des modifications évoquées. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport ? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité, rapport numéro 15, action sociale au bénéfice des employés communaux. Monsieur Bernier. Mes chers collègues, au titre des prestations sociales envers les agents communaux et pour favoriser l'attractivité de la commune, Sainte-Savine participe au financement des titres restaurants. Actuellement, les personnels qui le souhaitent ont la possibilité de bénéficier de 40 tickets restaurants par an avec une participation financière dégressive en fonction de la situation statutaire. La valeur faciale du ticket restaurant étant fixée à 5 euros. Afin de faire respecter le principe d'équité entre les agents, il ne peut être attribué qu'un seul avantage par agent. Les conditions légales fixées pour l'avantage des titres resto sont les suivantes. Donc la participation de l'employeur est comprise entre 50 et 60% de la valeur faciale du ticket restaurant. La participation du salarié est comprise entre 40 et 50% de la valeur du ticket restaurant. Les titres restaurants sont exonérés de toute charge salariale, patronale et fiscale. Chaque salarié a le droit à un chèque maximum par jour de travail, incluant une pause repas entre les deux sections de travail. Il est proposé d'augmenter de 10 le nombre annuel de tickets restaurants par agent, soit désormais 50 par an. Le niveau de participation de la collectivité restera inchangé, donc à savoir 50% pour les agents de catégorie A, 55% pour ceux de catégorie B et 60% pour ceux de catégorie C. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'attribuer 50 titres restaurants par an et par agent d'une valeur faciale de 5 euros et d'autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les démarches et signer tout document utile. Merci. Des remarques sur ce rapport ? Non ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ?
adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous remercie pour eux. Rapport numéro 16, Trois Champagne Métropole, rapport d'activité 2021, Madame Gultequin. Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, en application des dispositions de l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal a été destinataire du rapport d'activité 2021 de Trois Champagne Métropole. Ce document d'information présente de manière synthétique l'action de la collectivité au service du territoire. L'année 2021 a été marquée par le lancement de la réflexion sur le projet de territoire. Cette feuille de route donne des repères pour les orientations politiques de Trois Champagne Métropole pour les 20 ans qui viennent. Trois grands axes stratégiques ont été définis. Faire de TCM un territoire dynamique, innovant et rayonnant, un territoire d'excellence énergétique et environnementale, et enfin un territoire accueillant et agréable à vivre. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de prendre acte du rapport d'activité 2021 de Trois Champagne Métropole, joint en annexe. Le Conseil a pris acte. Voilà. Donc, pas de vote. Donc, rapport numéro 17, donc attribution de marché, donc nettoyage et désinfection des locaux, des écoles maternelles élémentaires, des accueils collectifs de mineurs péri- et extrascolaires, d'Olto, de l'accueil collectif 1, 2, 3, les petits loups, et du centre culturel Art Déco, Monsieur Serre. Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, un accord cadre passé sous forme d'appel d'offres ouvert a été réparti en deux lots. 1. Le nettoyage et désinfection des locaux des écoles maternelles, élémentaires et accueil collectif des mineurs péri- et extrascolaires d'Olto, de l'accueil collectif 1, 2, 3, les petits loups. Montant maximum sur la durée totale du marché, 800 000 euros hors taxes. Lot numéro 2. Nettoyage et désinfection du centre culturel Art Déco. Montant maximum sur la durée totale du marché, 200 000 euros hors taxes. La date limite de réception des offres était fixée au lundi 23 mai 2022 à 12h. Une commission d'appel d'offres s'est réunie le vendredi 17 juin 2022 afin d'attribuer le marché. L'offre présentée par la société Lustral pour le lot numéro 1 est la mieux disante et a donc été retenue par la commission pour un montant annuel de 119 325 euros hors taxes. Le lot numéro 2 n'a pas été attribué lors de cette commission, mais une seconde, qui s'est tenu le 9 décembre 2022. L'offre présentée par la société De Richbourg pour le lot numéro 2 est la mieux disante et est proposée de le retenir pour un montant annuel estimatif de 41 256 046 euros hors taxes. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés pour le lot énoncé ci-dessus et toutes les pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport ? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, rapport numéro 18, donc demande de prorogation de marché avec un service d'assurance pour la commune de Sainte-Savine et son CCS. Et juste à titre d'information, dans le cadre de l'exercice d'un mandat dans une structure pour emporter conflit d'intérêts pour ma part, je ne prendrai pas part au vote. Voilà. Et donc, c'est Monsieur Serre. Monsieur le Maire, mes chers collègues, donc c'est un rapport remis sur table suite à l'actualisation des indices. Par avis public à la concurrence en date du 17 octobre 2018, un marché public de prestation de services a été transmis aux organismes de publication habilités. Le marché a été passé sous forme d'appel d'offres ouvert et de groupement de commandes dont la collectivité est le coordinateur. Le marché est réparti en quatre lots, assurance des dommages aux biens et des risques annexes, assurance des responsabilités et des risques annexes, assurance des véhicules et des risques annexes, assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus. Il a été conclu pour une durée de 4 ans pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Le candidat retenu pour les 4 lots concernés est l'opérateur économique SMACL, Assurance, 6 141 avenue Salvatore Allende, 79 031 Niort-Sedex. À l'IND, 79 031 Niort-Sedex. À la demande du pouvoir adjudicateur, il a été demandé au titulaire du marché de prolonger la durée d'exécution du marché de 6 mois, soit jusqu'au 31 juin 2023. Cette décision a été motivée par le fait qu'il convenait de laisser plus de temps au pouvoir adjudicateur afin de procéder à une nouvelle procédure de consultation pour la relance du marché existant.
L'indice financier induit par ces prorogations de contrats se décompose comme suit. Vous avez le tableau qui est joint. Aussi, vu l'énoncé ci-dessous, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant du marché pour les lots énoncés ci-dessus et de toutes les pièces y afférentes. Merci. Eh bien, est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport ? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Et puis, moi, comme moi, je peux prendre... Donc c'est à l'unanimité. À l'unanimité. Voilà, je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé.